dans la foule, il y a des gens qui disent qu'il s'agit d'une prise d'otage. On ne sait pas trop, il fait froid. Nous, on est dehors là maintenant. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Je crois que j'ai vu les mesurettes au niveau de l'arrivée, mais c'est plutôt le côté départ en fait qui a eu des tirs. Et après, tout le monde s'est mis en route de partout. Et l'aéroport a été évacué. Donc actuellement, on est sur le parking. Le personnel, aussi bien que les voyageurs. Tout le monde est dehors, en fait. Passagers, aussi bien que voyageurs. Il fait un mois de canard, tout le monde est dehors. Bah, voilà. Ah, on déplace encore. Tout le monde. À 7 euros de l'heure de parking, ça va être chaud. Il y a un petit problème. Sinon, pour les voitures dans le parking après. Ah, non, pensez à votre voiture, pensez à votre vie d'abord. Non, c'est. Pensez à votre voiture. Ah, non, c'est. Pensez à la voiture. C'est après, pas payer 200 euros de parking, quoi. Non, c'est un peu ça le problème. Tout le monde. D'accord. C'est de votre faute. Ah, ouais. C'est pas de la nôtre non plus. Ok. Mais ça sera 400 euros, quoi. Ah, ouais. Merci. Non, mais. Ouais, ça a pas l'air de s'affoler. Tout le monde est sorti calmement. C'était juste au début, quand il y a eu les tirs au niveau départ. De voir tout le monde courir et les policiers, et là c'est flippant au début. Mais là pour l'instant ça va. Tout le monde est dehors là. Bon, il n'y a que les taxis, mais je pense que même eux peuvent pas partir aussi. Du coup, on sait pas qui a tiré. Moi j'étais venu récupérer ma mère en fait qui se déplace difficilement avec une béquille. Donc je suis sorti la mettre à l'abri dans un hôtel pas loin. Elle est dans le hall là, elle m'attend. Je vais voir moi si je peux récupérer la voiture et partir d'ici. Mais bon, ça a l'air d'être. Bref, on sait pas. On nous a éloigné encore un peu plus. Je vois. Ah, à votre tenue. Ah, c'est pas de chance pour elle. C'est un homme qui a tenté de s'emparer. Mais il y a eu des tirs en fait. Donc c'est peut-être les militaires qui ont tiré. Qui lui ont tiré dessus. Dans la foule tout à l'heure, il y avait des rumeurs de des rumeurs d'une prise d'otage. Bon, c'est la foule qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait pas là-bas. Mais les gens sont plutôt calmes. C'est franchement plutôt calme. Et ça va quoi, tranquille, les gens sont plutôt calmes. On voit les clics dehors. Là au niveau de l'arrivée. Mais les gens sont plutôt calmes, je dois dire. Ils sont à l'extérieur maintenant les policiers. Pas la bonne direction. En tout cas, ils ont fait vite. Hein. Entre le moment où il y a eu les tirs et le moment où j'ai vu les premiers policiers équipés façon raid, il a dû se passer même pas 5 minutes. Et ça, franchement, bravo. Quoi. Aller plus loin, hein, c'est fermé.
bon bah. Bah il se passe qu'on sait pas trop, il y a eu des tirs. Et puis tout le monde a commencé à courir de partout. La sécurité de l'aéroport a ouvert les portes et nous a demandé de sortir sur le parking côté arche. Donc au niveau de, du parking taxi en fait. Et puis moi je suis descendu avec ma mère qui se déplace pas très vite. Donc nous étions au rez-de-chaussée au niveau de l'arrivée. Et là, des policiers vêtus comme les gars du raid, en fait, nous ont demandé carrément de sortir et d'aller un peu plus loin. Voilà. C'est la situation. On ne sait pas. Je sais pas, regardez BFM ou je sais pas. BFM, oups. Notre chaîne de formation, vous verrez. Nous y vous dirons plus. Mais les gens sont calmes et ça se passe plutôt bien. C'est juste qu'on ne peut pas sortir. Ça. Non, non, mais ils doivent vérifier. Je pense que toutes les chaînes d'information doivent vérifier l'info parce que là, même nous sur place, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a juste. C'est juste des tirs qu'on entend, rien de plus. C'est calme visiblement. Je pense que l'incident doit être bientôt terminé. De toute façon, il n'y a rien qui fuite. On n'entend rien du tout. Plus rien, ils nous ont sortis, ils ont fait ça proprement. Voilà quoi. Mais franchement, ils sont arrivés très vite. Entre le moment où on a entendu les tirs et le moment où les flics vêtus comme les gars du raid sont arrivés, c'est-à-dire casque, protection et tout le reste, il s'est passé genre 5 minutes quoi. C'était rapide. J'avais même pas eu le temps de sortir de l'aéroport avec ma mère en fait. Voilà. Aéroport d'Orly, 8h30 ce matin. Il y a trafic en bas, tout le monde en bas. Voilà. Bon.